remettre le lien. Ah, bah, donc Jackal arrive. Alright, Je take pense your que way les modos to. peuvent remettre le lien pour avoir la démarche pour les gagner, mais donc je crois que ceux d'aujourd'hui ne sont pas dégueux du tout. Hein. Il y en a un de Mega Man X notamment qui m'intéresse plutôt, hein, qui est très sympa. Et donc on enchaîne avec Jackal. On est 10%. Ah, ça c'est. Bah, ils ont besoin de rattraper du temps là, je pense. On est L'histoire est tout arrivé à. simple, vous êtes les gentils, vous allez casser la gueule au méchant, vous allez leur apporter la démocratie à coups de missiles dans les dents, à bord Allez, grosso modo, c'est ça. d'une Hein. Jeep K2000 blindée. Voilà, c'était Jackal, l'histoire. Ouais, Jackal, c'est le nom de l'équipe de militaires qu'on représente et qu'en fait, on ne va voir qu'à travers cette Jeep qu'on pilote, donc en vue de dessus. L'idée, c'est de libérer des prisonniers de guerre dans des camps ennemis. Et pour ce faire, on a deux armes. On a une mitrailleuse qui va toujours tirer vers le nord. C'est une particularité du jeu. Hein. C'est la même particularité de la version américaine, puisque la version japonaise tire dans la direction de la Jeep. Et aussi des missiles, ou plutôt un lance-missile et un lance-grenade, qu'on va pouvoir upgrader voilà, en récupérant ce genre de personnage. Donc il détruit un baraque, un personnage sort, et en le récupérant dans sa Jeep, ça offre une augmentation du lance-missile. Donc ici, vous pouvez voir que le missile est lancé dans la direction de la Jeep. Et maintenant, on est à un missile qui tire dans les quatre directions une fois qu'il explose. Tandis qu'on arrive déjà au premier boss, c'est extrêmement rapide. Hein. C'est pour ça, désolé si je monopolise un peu la parole. Je parle très vite, j'essaie un peu de gérer tout. Donc là, c'est simplement des tanks qu'on dégomme à coups de missiles. Parce qui apparaissent que aléatoirement. America! America! C'est un peu le bloc America quand même. On va enchaîner avec G.I. Joe. Un bloc qui aurait bien été le 4 juillet en fait pour l'indépendance des États-Unis. Ouais, on est le 5, c'est passé si près. Hein. C'est saut 2017. Donc, Donc le jeu peut faire penser aussi à Ikari Warrior ou Commando que vous avez peut-être joué sur Amstrad CPC à l'époque à la musique fabuleuse. Et nous sommes maintenant en Grèce. Oui. Oui. Des Grecs révolutionnaires dissidents ont embarqué des prisonniers de notre armée. Donc là, d'un niveau à l'autre, on garde les upgrades d'armes, donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de récupérer d'autres prisonniers de guerre. Le niveau maximum, c'est celui qu'on obtient après avoir sauvé trois prisonniers. Et on arrive déjà au deuxième boss. Hein. Quand je dis c'est extrêmement rapide, c'est de toute façon pareil. Hein. Voilà, hein. C'est une arme redoutable, des statues qui tirent des lasers. Et c'est du bourrage pur et simple, on bourre avec la mitraillette et on lance des. C'est René par Todd de 22484 qui vient du New Jersey. Un grand René, important. Au New Jersey, il est illégal de faire la gueule à un agent qui vous met un PV. Là, il parle un petit peu d'une particularité de ce niveau qui est d'avoir des lasers qui vous détruisent. Sachant que le mode, on va dire, les vies sont gérées de la manière suivante. On se prend un coup, on meurt, que ce soit un petit coup de la part d'un ennemi à pied ou d'un véhicule. Et une nouvelle Jeep apparaît avec le niveau de lance-missile le plus bas. Et c'est game over à partir du moment où on n'a plus de vie de rab, simplement. Il est obligé donc d'attendre que ces missiles fassent, donc c'est un pattern classique. Qui, classique dans la mesure où il se répète à chaque fois. Voilà, un petit porte-avions qui essaie de nous barrer la route, mais on le bourre encore une fois. La même hommage bien sûr au Nimitz. Hein. C'est un hommage au Nimitz. Ah, je connais pas. Yeah. Ça, c'est une référence de lui. Ah, je n'étais donc pas né. Ah, je pense pas que t'étais né. Alors, bien sûr, hein, n'hésitez pas à spammer le Yeah!
Donc là, on est en Nouvelle-Calédonie, hein. C'est tout gentil, c'est tout mignon. Le Jeep est fait 4x4, pas de problème. Au départ, là, le jeu était. Ouais, le jeu est sorti sur arcade au départ. Et ce qu'on voit comme plusieurs niveaux était au départ un niveau. Un long niveau. Et le but était d'aller le plus loin possible. Ah, nice. Je vois que ça applaudit. Est-ce qu'on aurait dépassé un. Non, même pas un palier. Je ne saurais. Oui, on va pas crier à chaque fois, nous, par contre. C'est pas américain. Yeah, quand même. On a une décence. C'est la pudeur française, ok. Donc là, nouveau boss, l'hélicoptère. Ah, don de. Juste un petit coucou. Don de 1000 dollars, d'accord. Je comprends mieux. On remercie le donateur de 1000 dollars. Ok, ok. Tandis qu'on arrive déjà, si je ne m'abuse, au cinquième niveau. Et donc, il y a 6 niveaux. On est vraiment sur la fin. La fin du jeu. Et voilà, vous pouvez. On va pas se mentir, c'est un gameplay qui devient vite répétitif. Le jeu est court, mais naturellement. Avoir des phases de gameplay un peu plus diverses. C'est quoi le World Record? Le World Record, c'est. Alors, le World Record. 7 minutes 40. Oui, sachant que lui. 7 minutes 42 sur son PB est à 7 minutes 42. C'est-à-dire qu'un gars, il s'est amusé à grinder le jeu pour piquer 2 secondes sur une run de 7 minutes. Et après, il a fait, c'est moi le meilleur, j'arrête. Donc là, notre ennemi, c'est un hangar. J'arriverai pas à prononcer son pseudo, je vais te laisser parler. Je n'ai pas. Enfin, quand j'ai vu son pseudo. Yonsantio of Doom. Quand j'ai vu son pseudo, malheureusement, je me suis dit plutôt que d'avoir l'air ridicule et de massacrer. Je laisse à ceux qui veulent en savoir plus d'aller sur le site speedrun.com. Hein. On ne le répétera jamais assez, c'est une source intarissable d'informations. Sur tous les speedruns que vous pouvez trouver dans le monde. Et vous pourrez ainsi, un mec qu'un jeu de mots dans son pseudo, ça c'est tout. Ça. Mec qui n'a pas d'originalité. Je sais pas si. Il y a un jeu de mots, je ne saurais même pas dire, ça se trouve. Je ne sais pas. S'il y a peut-être un jeu de mots en chinois, mais je ne comprends pas. Et nous arrivons au dernier niveau. Voilà, c'était bien. Donc un petit escalator pour voiture. N'empêche que le jeu est pas si moche. Hein. Ah non, le jeu n'est pas moche. Mais disons que. Les petits bonhommes sont petits, mais sinon, les tanks ressemblent à des tanks, on a vu plus moche. Hein. On a vu plus nul. Parce que voilà, le fait que c'était au départ un jeu arcade rend le tout un peu répétitif, quoi. L'idée, c'était d'avoir un truc super difficile et qui. Un jeu super difficile. Ouais, je pense que la cartouche est vendue avec un drapeau des États-Unis. De quoi? Je pense que la cartouche était vendue avec un drapeau des États-Unis parce qu'on peut, à part une dépendance d'eux, on fait difficilement plus patrie. Tous les films de Schwarzenegger. Commando. Pour ceux qui parlent de Carrie Warrior, n'oubliez pas le célèbre code ABBA. Donc là, le True Last Burst, hein, le Bunker of Doom, c'est la maison blanche, mais en vert. C'est la maison verte. Ouais. Putain, j'ai failli faire une blague sur Maxime Le Forestier et la maison bleue. Mais en fait, la maison avait fait exprès de dire qu'elle était morte, elle cachait un vrai tank of Doom lance-flammes. J'ai fait croire que je pense a dû ruiner le PIB d'un ah ouais, il a pris cher. Donc il a perdu justement ses améliorations. Vous pouvez voir le lance-missile au niveau le plus bas, donc qui est un lance-grenade. Et voilà, il est time, donc 8 minutes 21. Grosse run. C'était un jeu d'arcade à la base. Alors, je vais disparaître en vitesse, mais je suis désolé, j'ai la taille d'une balle de ping-pong, donc j'ai besoin de faire un petit tour, je fais ça extrêmement vite. Sachant que ça va enchaîner très rapidement, vu que c'est le même runner, donc possiblement sur la même console. Donc voilà, une run yé pour cent.